On se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour tout nouveau débrief du match de Marseille, précisément en Ligue Europa. Alors, très bon match dans l'ensemble. Donc, la note du match que je donnerai ce soir, c'est 4 étoiles sur 5. Parce que, pourquoi je donne 4 étoiles sur 5? Parce que tout simplement, on a quand même fait beaucoup de fautes et on a si raté trop d'occasions. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que vous êtes tous très d'accord avec moi. Donc, c'est vrai que dans l'ensemble, Marseille, ils ont fait un bon match. Hein. Mais bon, je m'attendais quand même à mieux dans la ville de Marseille, surtout c'était au Vélodrome, c'était chez nous. On se devait de gagner ce match-là. On avait fait un très bon match contre Ajax Amsterdam. Et d'ailleurs, on va les affronter chez nous, un hein, match retour, bien évidemment. Et là, on va affronter la troisième équipe chez eux, là-bas, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je crois que c'est un club grec qu'on affronte ou un club, je crois, italien. Je ne connais pas trop, moi, ce club. Donc, voilà. Donc, peu importe, de toute façon, il faudra qu'on gagne ce match-là. Parce que si on commence à faire des matchs nuls, on va rester troisième. Et c'est pas bon parce qu'après, on va se qualifier en Ligue Europa League Conférence. Je me trompe pas parce que je crois que le troisième des groupes de la Ligue Europa est qualifié pour la Ligue Europa League Conférence. Hein, parce que je sais qu'en Ligue des Champions, les formats, ça a changé. Le premier qualifié pour les huitièmes. Le deuxième, pareil, qualifié pour les huitièmes, mais ils affrontent des forts. Et le troisième pour la Ligue Europa League. Donc voilà. Donc après, que dire de plus? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On a fait un bon match dans l'ensemble, mais je m'attendais quand même à mieux. Ce soir, alors j'ai vu qu'on a marqué deux buts, hein, grâce à un but de Veretout, et puis l'autre, je crois que c'est, je me rappelle plus qui a marqué d'ailleurs, enfin bref, je m'en fous. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on ramène au moins un point à la maison. C'est déjà bien, mais j'aurais préféré quand même qu'on marque ce troisième but à la fin du match, mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce troisième but. Hein. En tout cas, moi, j'aurais bien voulu que ça reste à 2-1, parce que ça aurait été un très bon match, surtout pour nous, parce qu'on aurait ramené 3 points à la maison. Donc voilà, donc après, c'est pas fini, il reste le match retour, donc voilà, c'est loin d'être fait. Combien de fois j'ai vu Marseille gagner 2 matchs et puis après perdre 3 matchs ou 4 matchs, hein. Donc peut-être que c'est peut-être bon signe, bien évidemment. Hein. Donc voilà quoi. Donc après, ceci dit, ce débrief, il va pas durer longtemps parce que franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. L'arbitre dans l'ensemble, il a fait un super arbitrage, rien à dire. Hein. Donc la note du match que je donnerais pour l'arbitrage, c'est 5 étoiles sur 5 parce que tout simplement, bah, il a fait un super arbitrage. Hein. Bien évidemment, on va pas trop lui cracher dessus. En tout cas, moi, je vais pas lui cracher dessus parce que moi, j'en ai assez qu'on trouve toujours l'excuse de l'arbitrage. Bien évidemment, là, franchement, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. Donc, la défense marseillaise dans l'ensemble, elle a bien défendu. Après, on sait tous que les Anglais sont tous très forts quand ils attaquent. Et aussi, techniquement et physiquement, ils sont très forts. Hein. Donc, c'est quand même pas pour rien parce que c'est quand même eux qui ont inventé le football. Après, vous allez me dire, ça ne veut rien dire parce qu'il y a aussi les clubs espagnols qui sont forts, les clubs allemands aussi. Donc, après, ça ne veut rien dire. Donc, voilà quoi. Donc, ceci dit, c'est la fin de ce petit vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager. C'est pour qu'en fait, et puis on dit ciao, ciao. Et puis on dit allez, l'OM, à la vie, à la mort.